Ce soir, un scoop inattendu. Oui, je peux parler de scoop. Nous serons les seuls de toutes les radios à vous faire entendre, grâce à Paula Jacques, des commentaires exclusifs de Simone de Beauvoir en marge du portrait filmé que viennent de lui consacrer Malka Rybowska et José Dayan. Alors, Paula, j'ai parlé de commentaires, mais vous avez rencontré Simone de Beauvoir. Elle vous a parlé. J'ai rencontré Simone de Beauvoir, elle m'a parlé, elle vit à Paris et elle est très heureuse, comme on dit. Effectivement, ça se passait à peu près au moment où elle tournait ce film. Et nous avons parlé avec Simone de Beauvoir surtout des idées, de certaines idées qui lui sont chères et à moi aussi, c'est-à-dire les femmes. Et puis, j'ai vu ce film, qui est un événement, il faut le dire, qui est aussi une espèce de balade un peu décousue, un peu impressionniste dans la vie d'une femme, dans la biographie d'une femme. Et donc, de façon arbitraire, avec Yvette Tuchban à la réalisation, nous avons conçu cette émission en deux parties, c'est-à-dire ce soir, reprise de cette balade dans la vie de Simone de Beauvoir, un puzzle, un peu décousu et charmant et charmeur, je crois. Et puis vendredi, une approche alors à ce moment-là des idées de la femme et plus directement de son importance dans l'histoire des Français et des Françaises essentiellement. Alors il n'y a plus, comme avant, la pleine lumière ou, l'obscurité. Ça serait un peu plus dans les gris, dans des gris qui sont très souvent teintés de rose parce que j'ai encore beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Mais ça n'est plus cette chose tranchée entre précisément le bonheur et puis alors le désespoir inquiet. Du gris teinté de rose. On pourrait dire que je suis un peu éteinte. Simone de Beauvoir. Je suis vivante certainement dans la mesure où j'ai encore des projets auxquels je tiens encore assez fort. J'ai encore des grandes joies, de grands plaisirs et je déteste toujours l'ennui. Mais enfin, je n'ai plus... Et puis j'ai aussi quand même de temps en temps des anxiétés assez fortes. Mais il n'y a plus vraiment cette espèce de... presque de dédoublement de ma vie en des... espoirs quasi fous et en des joies vraiment débordantes et puis ce que nous appelions tout à l'heure mes angoisses. Avec les voix de ses amis Sartre, Olga, Lanzmann, Hélène de Beauvoir, Bost. Même que pour la colère, c'est également volontairement, en quelque sorte, que j'ai renoncé à me mettre en colère contre ma condition, qui est en somme la condition humaine. Mais je ne veux pas donner de date précise. Je pense que c'est peut-être vers au moment où j'ai écrit La fin de la force des choses, j'ai été floué, que j'ai commencé à mettre de l'eau dans mon vin. Enfin. Fragment d'une autobiographie, interview, document, témoignage, extrait du film Simone de Beauvoir de José Dayan et Malka Rybowska. Puis après ça, petit à petit, il y a eu des renoncements physiques qui sont venus, par exemple, de ne plus faire de marche à pied. Je me suis aperçue que je ne pouvais plus monter, que je pouvais encore un peu marcher. Enfin, des tas de petites choses comme ça que j'ai acceptées petit à petit et que je continue d'accepter. Et je sais qu'il y en aura encore d'autres, ma vue est moins bonne. Enfin, il y en a d'autres qui me menacent un peu. D'avance, je me dis que je ne vais pas passer mon temps, mes dernières années, à râler, à gémir, etc. Non pas du tout que je veuille être stoïque et que j'approuve l'idée-là de Vigny, qu'il faut souffrir et mourir sans pleurer, c'est pas ça du tout. Mais je ne veux pas m'empoisonner, parce qu'on s'empoisonne aussi à être comme ça, à être tout le temps dans une espèce de révolte contre ce qui m'arrive. Alors à partir
partir de maintenant, je déclare que les états généraux de la prostitution, pour se défendre contre toutes ces abus, les états généraux sont donc ouverts à partir de maintenant. Flashback du gris, du rose et du rouge. Nous sommes catholiques. On nous a refusé parce qu'il y a des gens qui sont en train de se servir d'une église pour faire des actes politiques. 1975, le mouvement des prostituées occupe l'église de Montparnasse. Dehors, on viendra nous chercher. Dans une église, on ne vient pas nous chercher. Justement, alors, il n'y a plus aucun respect à ce moment-là. Si, madame. C'est pas parce qu'on respecte pas, on est aussi pas, catholique madame. Que n'importe quel citoyen. Simone de Beauvoir se solidarise avec les luttes des prostituées. De mythes, première rencontre dans son appartement, proche du cimetière de Montparnasse. Simone de Beauvoir, à quel titre vous sentez-vous concernée par le problème de la prostitution ? Eh bien, parce que je m'intéresse à tous les problèmes qui concernent la condition féminine. Et quoi qu'en pense Madame Giroux, je trouve que le problème des prostituées ne regarde pas d'abord les hommes, mais d'abord les femmes. Bien entendu, il regarde les hommes aussi, mais il regarde les femmes. Et en tant que je m'intéresse vraiment à tous les aspects de notre condition, eh bien, je m'intéresse à la condition des prostituées. C'est tout, madame. Nous sommes dans un restaurant, nous sommes traqués. Nous sommes dans la rue, nous sommes traqués toujours. Alors il faut une fois pour toutes s'en sortir. Je suis assez solidaire de la majorité des femmes pour savoir qu'en effet, pour un très très grand nombre d'entre elles, si ce n'est pas la prostitution, c'est du moins une espèce de ou de vente de leur corps, comme très souvent dans la bourgeoisie où la femme vit simplement au crochet de son mari et donne son corps en échange, ou en tout cas une dépendance de l'homme qui fait que la femme n'est pas libre de vivre comme elle le souhaiterait. Et cette demi-vente de son corps et en tout cas cette subordination apparente en effet un très très grand nombre de femmes à la prostituée. Je ne dis pas toutes, mais enfin certainement un très grand nombre. C'est la société qui est responsable de la prostitution. Et ça, je l'ai pensé, je le pense encore aujourd'hui. Et par conséquent, puisqu'elle en est responsable, puisqu'elle la veut, puisqu'elle contraint certaines femmes, elle les accule à ce choix, eh bien, elle devrait alors accorder aux prostituées des conditions de vie convenables et en tout cas ne pas les brimer, ne pas les empêcher d'exercer correctement leur métier. Les met en prison. Justement, ce que l'on réclame, c'est un statut d'être humain, statut normal. Madame, avez-vous demandé à un gars ici si quelqu'un a déjà couché avec une prostituée? Moi, je vous réponds oui. Quelle est la première naturellement, chose je ne parlais pas. D'ailleurs, elles sont également contre des maisons d'abattage. Ça, c'est quelque chose d'abominable. Parce que là, alors, les femmes travaillant à la chaîne, comme ça, toute la journée, elles s'épuisent la santé. Ça, c'est pire que de travailler en usine. Mais une prostituée qui a une vie à peu près correcte, qui ne choisit pas exactement ses clients, mais enfin, qui n'a pas un trop grand nombre de clients et qui sait un peu se débrouiller, eh bien, je ne pense pas qu'elle soit plus aliénée, qu'elle soit plus abîmée dans son corps qu'une ouvrière qui travaille à la chaîne dans certaines conditions. Et dans son esprit ? Ça, je ne sais pas exactement, je ne me représente pas tout à fait comment on vit la prostitution, mais je sais que les prostituées que j'ai rencontrées m'ont semblé, je ne dis pas qu'elles le soient toutes, mais il y en a un certain nombre qui m'ont semblé nettement aussi intelligentes, aussi lucides, aussi indépendantes que n'importe quelle femme. Et ne pas pouvoir parler de ces problèmes sans que cela déchaîne aussitôt des rires graveleux, c'est une situation extrêmement pénible et je comprends très bien qu'elles veulent être traitées comme des êtres humains. D'ailleurs, c'est une des choses qu'elles disaient aux féministes avec qui elles ont discuté. Allez-y, vous êtes des femmes qui discutez de vos problèmes de femmes, qui voulaient alors vous libérer en tant que femmes des hommes, mais nous, d'abord nous battons pour être reconnues comme des femmes, et je pense que cette reconnaissance, en effet, est la première chose qu'elles doivent réclamer et qu'on doit leur accorder. Comment expliquez-vous cette explosion, finalement, chez ce qu'on peut considérer comme une minorité qui, jusqu'ici, s'est toujours... Ça a commencé à Lyon, où les conditions de la prostitution sont particulièrement pénibles, où la police les brime en même temps que de temps en temps elle les soutient et où les policiers sont vraiment des proxénètes. Je pense qu'il y a eu là un espèce de ras-le-bol qui ensuite s'est répandu partout. Et je pense qu'en effet, c'est un peu une des conséquences valables, il y en a beaucoup d'autres, de mai 68, qui fait que les minorités ont décidé de prendre la parole et les gens ont compris qu'il fallait aller dans la rue, prendre en soi, en main ses affaires et non pas s'en remettre à des députés, au gouvernement, à des intermédiaires. Je pense qu'il y a des deux. Au fond, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne veut pas nous venir en aide et comprendre qu'on est de nécessité publique. On en a besoin pour les acteurs, pour les chanteurs, pour les juges, pour les avocats et pour les policiers. Ils vont pas tous au même endroit, mais ils y vont. J'ai vécu, hein, c'est moi qui vous le dis. Ah oui. De toute façon, il en faut, allez, croyez-moi. Je veux dire aussi que ça arrange les hommes qu'il y ait des prostituées, que ça arrange même pas mal de femmes qui s'imaginent que s'il n'y avait pas de prostituées, elles seraient en proie constamment à des viols et à des agressions. Par conséquent, je ne sais pas, c'est le fait qu'elles parlent qui me semble quelque chose d'intéressant, qui me semble qu'il y a un progrès tout de même dans la société d'aujourd'hui. On a besoin de dialoguer avec les gens, chose qui à présent ne s'était jamais, jamais, jamais fait. La prostituée, c'était la petite blague qu'on se racontait entre copains, voire la petite blague drôle et osée, mais c'était pas
quelqu'un avec qui on pouvait discuter. Et maintenant, on peut discuter. Et ça, c'est quelque chose, je crois que c'est le premier pas, c'est la première victoire qu'on a toutes remportée, mesdames. Est-ce que vous êtes pour une légalisation de la prostitution, c'est-à-dire une espèce de statut de la prostituée ? Ça dépend ce qu'on entend par là, ça dépend quel statut on leur accordera. Si le statut consiste à les enfermer dans des roses sanitaires, je suis absolument contre. Si ça consiste alors à décider de jouer vraiment honnêtement le jeu, à ne pas leur mettre des contraventions alors qu'on permet la prostitution, qu'on supprime cet état hypocrite où la prostitution est permise, mais toute tentative de racolage de la part des prostituées est interdite, alors là je suis en effet pour une légalisation. Qu'on fasse cesser cette contradiction, qu'il soit entendu que puisque la prostitution est permise, les prostituées sont autorisées à racoler et à se prostituer. Et qu'on leur donne les moyens de le faire. Mais je pense que de toute façon, c'est quand même un fait social et que naturellement, il faut souhaiter une société dans laquelle, comme il n'y aurait plus de valeur mercantile, comme ce ne serait plus l'argent, le profit qui régnerait, du même coup, la prostitution n'existerait plus et où les femmes n'auraient pas à vendre leur corps parce que vendre et acheter ne serait plus le ressort de la société. Nouveau combat en perspective, un parlementaire vient de déposer un projet de réouverture des maisons closes. Un regard sur votre vie, comment définiriez-vous sa continuité ? D'une manière très superficielle d'abord, par la continuité de mes habitats. J'ai toujours vécu. Deux ou trois choses que je sais d'elle, confidence à une caméra amie. Sur grand écran, 1h50 de bonheur. Après le Sartre d'Astruc et Conta, voici le Simone de Beauvoir de José Dayan et Malka Rybowska. Un événement. Celle que l'on a baptisée grande sartreuse ou compagne de Sartre, sans que jamais Sartre soit étiqueté compagnon de Beauvoir, Simone donc raconte les surfaces et les profondeurs d'une vie, d'une œuvre, d'un engagement. Bilan prodigieux à la fois tonique et nostalgique. Car comment s'empêcher entre deux éclats de rire de se souvenir de ces visages autrefois si lisses, d'évoquer le temps des espoirs, des curiosités, de l'œuvre encore devant soi. Oui, du gris teinté de rose, tendrement recueilli par Malka Rybowska, comédienne, et José Dayan, réalisatrice. Je crois que c'est venu d'abord à Malka l'idée de faire ce film, pour être juste, parce qu'on avait tourné ensemble La femme rompue, et Malka, qui est une grande admiratrice de Simone de Beauvoir, moi aussi je veux dire, mais qui est une lectrice vraiment très passionnée de Simone de Beauvoir, a eu l'idée de faire un film sur Simone de Beauvoir comme existait le film sur Sartre, par exemple. Et alors on a décidé de le faire ensemble. On n'a pas eu de difficulté, non. On l'a financé très rapidement, très facilement. C'est pas un film cher, bien sûr, mais encore que, comme il y a beaucoup de documents, les documents coûtent très cher, enfin bon. Et que le film est très long, alors il y avait beaucoup de matière, de pellicule et de travaux de laboratoire. Mais on l'a financé assez facilement. Oui, il y a eu des preneurs tout de suite. Très simplement et très sainement, enfin. Vous aviez un plan de construction du film ? Non, on avait des idées générales. Voilà. Dont on a parlé ensemble avec Beauvoir. Avec Beauvoir, les gens avec qui elle voudrait parler sur certaines questions. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on avait les documents, ça se construisait, la colonne vertébrale Absolument. Se faisait. C'est-à-dire, vous n'avez pas prévu jeunesse, maturité. Non, mais on l'a prévu, si vous voulez, a priori. C'est-à-dire qu'on savait bien, par exemple, que quand elle parlerait de son œuvre avec Sartre, elle allait parler de son œuvre du début à la fin. On savait bien que quand elle parlerait avec Olga, ça serait la période de Rouen, même si ça débordait. Je veux dire, il n'y avait pas des carcans, mais il y avait, si vous voulez, certains thèmes dont on savait qu'ils seraient abordés par telle et telle personne. Ce qui est formidable, ce qui est passé dans ce film, c'est qu'on a tourné avec elle pendant 10 jours à peu près, avec elle et ses amis, et qu'on filmait 8 heures par jour d'entretien, et qu'on n'a jamais repris une question, qu'elle a parlé pendant 8 heures sans arrêt comme ça. Oui. Pendant 10 jours. Elle avait remarqué que pour éclairer, il fallait 2 heures de temps. Alors, le premier jour, elle était là. Puis après, comme elle est quelqu'un qui aime utiliser son temps vraiment à plein, elle arrivait, nous arrivions d'abord pendant 2 heures pour installer la lumière, pour tout faire. Elle arrivait 2 heures après pour parler au moment où on avait besoin d'elle. C'était très Il n'y a jamais eu une répétition. Je veux dire, tout était comme ça, tout jaillissait. Et vous avez vu la concision de ses réponses, comme c'est plein. Enfin, on peut réfléchir sur beaucoup de phrases longtemps. Je ne dis rien de plus dans ce film que ce que j'ai écrit dans mes livres. Seulement, je l'ai dit d'une manière peut-être plus vivante, je l'ai dit en le parlant, et pour beaucoup de gens, la parole apporte quelque chose de plus que la lecture, surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ne savent pas lire. Elle utilise à la fois
son expérience dans les mémoires et elle l'utilise d'une façon romancée dans les romans qu'elle a écrits. C'est très étonnant, elle l'utilise tout deux fois. Et quand même, comme tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle vit est particulièrement passionnant, c'était pas du tout gênant qu'elle le redise pour l'image. Non, moi je pense pas que c'était gênant. Évidemment, la pensée elle-même le dit au début du film. Et en entrée de film, c'est pour ça qu'on l'a montée en début d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'on voulait dire. Elle dit elle-même... J'ai envie que les gens me connaissent. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas et qui me connaîtront à travers le film. Moi je crois que l'image apporte une présence particulière, qu'il ne suffit pas de lire un auteur et que de le voir vivre, de le voir écouter, de le voir répondre, ça apporte une chose différente, je ne dis pas plus, différente de la lecture proprement dite. Oh, bah c'est très simple. On s'est rencontrés à la Sorbonne. Comment aurais-je évolué si je n'avais pas rencontré Sartre? Me serais-je débarrassée plus tôt ou plus tard de mon individualisme, de l'idéalisme et du spiritualisme qui m'encombraient encore? Je ne le sais pas. Le fait est que je l'ai rencontré et que ce fut l'événement capital de mon existence. Nous préparions tous les deux l'agrégation. Il avait été par bonheur pour moi à recaler l'année précédente, parce que sans ça, je n'aurais pas connu. Et cette année-là, il venait au même cours que moi. Et au début, on ne se fréquentait pas du tout parce qu'il était normalien. Il venait toujours avec ses amis normaliens, Maheu et Nizan. Ils étaient là très isolés de tous les sorbonnards et moi, j'étais qu'une sorbonnarde. Ben, je les apercevais comme ça, et pas avec une spéciale sympathie. Et il s'est trouvé que son ami Maheu venait travailler à la Bibliothèque nationale. Et que là, il s'est pris de sympathie pour moi, et que nous causions, nous allions déjeuner ensemble. Alors, on déjeunait, on causait, et on discutait, il me parlait de Sartre. Et puis un beau jour, il a dit que Sartre, finalement, voulait faire ma connaissance. Et alors, j'ai pas voulu dès le début, parce que... J'avais une amitié assez exclusive avec Maheu et j'ai envoyé ma sœur à ma place, hein, Sartre, qui était furieux d'ailleurs. Il y a des moments très drôles dans le film quand elle dit par exemple que Sartre était beaucoup plus intelligent qu'elle, ce qui paraît à la fois naïf et peut-être pas très sincère. D'abord, il était un peu plus âgé, ce qui compte beaucoup dans ces âges-là. Ensuite, il avait fait l'école normale, ce qui donne une culture bien plus profonde que d'avoir passé du cours désir simplement à la Sorbonne. Et puis, il était terriblement obstiné dans ses théories, dans sa pensée. Il pensait vraiment toute la journée, alors que moi, je pensais beaucoup, mais quand même pas toute la journée. Elle dit, il était plus intelligent que moi, et elle dit, enfin, disons qu'il était plus apte à user de son intelligence. Ce qui est très joli comme nuance. Oui, parce qu'on imagine qu'elle est toujours un peu intense, que tous ces gens-là vivent toujours intense. Et pas du tout, on les voit vraiment, on peut dire même qu'ils déconnent complètement dans l'entretien entre Sartre, Bost. Et elle est gaie, elle est vivante. Je crois qu'on a beaucoup cherché ça, à la désacraliser, à la montrer, comme si on ouvrait une porte. Entre 29 et 39, toute la gauche française souffrait de cécité politique. Il m'était facile de la partager, car je n'éprouvais pas la pression de l'histoire de telle manière qu'elle me dérangea. Et je voulais m'aveugler. Je voulais croire que rien jamais ne pourrait ébranler mon bonheur. La vérité m'a sauté au visage en 1939. Chaque jour, à chaque heure, je mesurais combien je dépendais des événements. Ils sont devenus la substance même de mes journées. À cause de la censure, ils m'ont en grande partie échappé. Jamais la face d'ombre, qui est l'envers de mon existence, n'a été plus opaque que pendant la guerre. On vous voyait beaucoup, Bost, en particulier. Vous veniez très souvent manger la cuisine chez moi. Paris, les journées sombres de l'occupation allemande. C'était vous qui faisiez la cuisine quand il y avait des invités. Quand c'était simplement les déjeuners classiques, vous, Sartre et moi, avec de la choucroute au navet, c'était moi qui le faisais. Mais quand il y avait justement Picasso, des gens comme ça, alors c'était plus raffiné. Et il y avait tout de même, on s'arrangeait pour avoir un peu de viande et on faisait la cuisine. Des morceaux de barbac qui avaient mis
comme c'était le cas à l'époque, 6 jours pour arriver à Paris, qui était un peu pourri, qu'on essayait de nettoyer au vinaigre, parce qu'on trouvait du vinaigre, que vous et moi, nous les mangeions, que Sartre refusait absolument de les manger. Donc, c'est de la pourriture. Il n'avait absolument pas tort, mais il faut croire qu'il avait moins faim que nous. Et même un jour, vous autres, vous avez carrément jeté un lapin par la fenêtre. Il sentait trop beau, oui. Il était justement arrivé. Je l'aurais empêché si j'étais là. Ah non, c'est pas possible. Oui, voilà, mais là-dedans aussi. Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pense, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux, qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous, et crient, au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un cri, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou. Au fou, c'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans, on va faire sauter le monde, cramponnez-vous, tout fou le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors. Je crois que je dois compter parmi mes chances d'avoir eu une sœur, cadette et proche de moi par l'âge. Elle m'a aidée à m'affirmer. J'ai inventé le mélange d'autorité et de tendresse qui caractérisèrent mes relations avec elle. C'est de ma propre initiative que je lui ai appris à lire, à écrire, à compter. J'ai moi-même élaboré nos jeux et notre rapport vivant. Certes, mon attitude à son égard découlait de ce que j'étais, heureuse dans ma peau, sûre de moi et ouverte. Rien ne m'empêchait d'accueillir chaleureusement une cadette que je ne jalousais pas. Ah oui, écoute, tu m'as appris à lire, je me rappelle très bien, nous nous asseyions dans le coin du calorifère et avec l'alphabet Régimbaud, et j'avais 3 ans. Hélène de Beauvoir. Il y avait ça entre nous, puis alors il y avait tous nos jeux. Ah ben nos jeux qui étaient passionnants. Alors là aussi, je vais te rappeler quelque chose. Un jour, tu m'as posé une question à laquelle je vais te répondre aujourd'hui, parce que j'y ai réfléchi depuis. Tu m'as dit, mais en général, c'était moi qui donnais les idées de jeu. Et donc, j'y mettais mes fantasmes, mes désirs, mon imagination. Et toi, alors, à quoi est-ce que ça correspondait chez toi? Alors, d'abord, il y a le fait que tout ce qui venait de toi m'intéressait, mais il y a plus profond, je crois. Parce que dans la vie, tu me dominais. J'avais donc la situation, pas du tout de soumission, mais enfin, quand même de personnage dominé. Et dans nos jeux, au contraire, toi qui triomphais assez dans l'existence, enfin, tu avais ce que tu voulais, petite fille,
Et tu choisissais des rôles de martyr, tu faisais toujours une femme héroïque, sainte, que moi je martyrisais. Je me rappelle un jeu très caractéristique. Tu étais tu ne te rappelles pas, une sainte que j'avais enfermée dans une tour. J'étais ton geôlier, je t'empêchais d'aller à la messe et je voulais t'empêcher de dire tes prières. Et j'avais poussé la méchanceté, c'était bien un jeu de petite fille catholique, j'avais poussé la méchanceté jusqu'à déchirer en petits morceaux ton livre de messe. Mais tu avais pris sur moi parce que tu l'avais complètement recollé. Et je m'étais avouée vaincue. En fait, naturellement, il n'y avait pas de livre du tout, c'était un livre imaginaire. Moi, j'ai toujours été pour les relations choisies, contre les relations imposées. Remarquez qu'il y a quelquefois des relations qui sont données et qu'on choisit en même temps. Par exemple, avec ma sœur, le fait est que c'est ma sœur et que nous sommes très liés parce que nous sommes sœurs et qu'en quelque sorte, je l'ai choisie comme elle m'a choisie. Mais c'est extrêmement rare. Par conséquent, je répète, je le dis déjà souvent, que je n'ai jamais regretté de ne pas avoir d'enfant. J'aime beaucoup mieux les amitiés. J'aime beaucoup mieux des relations, je répète, que j'ai choisies, que celles qui m'auraient été imposées par la maternité. 12 terres, deuxième fois. Quelque part, une phrase qui, moi, me touche beaucoup, parce que c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Vous avez dit que les rapports mère-fille sont des choses assez moches, en général, et déprimantes. Moi, je ne peux pas parler par expérience directe, parce que ma mère ne m'a pas détruite. Mais enfin, il y a eu évidemment une période d'adolescence où il y a eu des conflits qui ont été assez pénibles. Et dans presque tous les cas que je vois d'amis ou de mon âge ou plus jeunes, mais enfin qui sont déjà mères de filles assez âgées, eh bien, les rapports, généralement, ne sont pas bons du tout. Et ça, il y a beaucoup de raisons pour ça, parce que la mère, quand même, elle tient à exercer le pouvoir sur l'enfant, tout en étant, soi-disant, en amitié, en réciprocité. Ça fait une espèce de nœud, quelque chose de faux, et contre lequel les filles se révoltent en général très très fort, ce qui ne rend pas les mères heureuses, bien entendu. Oui. Vous ne pensez pas que c'est parce que la mère, ne se voyant pas, ne se sentant pas comme femme dans son corps, ne peut pas sentir sa fille, par définition ? Ça, je ne sais pas, il peut y avoir des femmes très féminines et qui se sentent comme femmes dans leur corps et qui ont quand même de mauvais rapports avec leurs filles. Parce que ça peut être aussi bien des rapports de rivalité, des rapports de jalousie d'âge, des rapports de... Mais de toute façon, je crois que c'est surtout cette idée que l'enfant est considéré comme vraiment un objet, une chose qui appartient aux parents. Et quand il commence à manifester son indépendance et à s'opposer, les parents ne peuvent pas supporter ça. Et particulièrement la femme qui n'a pas grand-chose d'autre pour exercer son pouvoir que l'enfant. Je pense que des femmes qui travaillent précisément dehors, qui n'ont pas que leur enfant, seraient de meilleures mères, plus ouvertes, plus compréhensives que les femmes qui ne travaillent pas. Et puis il y a aussi une revanche contre leur propre condition féminine d'opprimer. Parce que même si elles n'ont pas une conscience claire et si elles ne le diraient pas comme ça, elles sentent très bien qu'elles sont opprimées, qu'elles l'ont été aussi dans leur propre jeunesse, qu'on les a sacrifiées à leurs frères ou je ne sais quoi, et alors elles se revanchent en somme sur leurs filles. Elles ne veulent pas que leurs filles aient des débouchés qu'elles n'aient pas, et des possibilités qu'elles n'ont pas eues. Numéro 6, deuxième fois. On voulait quoi que le sang batte, vous voyez. Moi, j'ai l'impression qu'on sent le cœur qui bat, les veines qui battent dans ce film. Puis on découvre le visage de Simone de Beauvoir. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle est d'une coquetterie extraordinaire. Oui. Et elle est très belle. Elle a toujours été très belle. Mais en effet, elle est assez coquette. Moi, je trouve qu'elle est très belle. Oui, elle change d'habit. Couleurs, elle a des couleurs. Et... Elle a sorti ses turbans, ses chemisiers. Au cinéma, le grain de la peau, la vivacité d'un œil, l'arête du nez ont leur existence propre.
Il nous parle un langage épidermique, plus direct et secret que celui des mots. Le visage de Simone de Beauvoir est beau, rayonnant de vie, de malice, d'intensité. Il témoigne du même étonnant goût de vivre que celui du castor. Il y a précisément sa présence physique, sa façon de se tenir, sa façon de regarder la caméra ou son interlocuteur, qui est quelque chose, en tout cas à nos yeux, de complètement fascinant, parce qu'elle a une présence, elle est droite comme une... Elle a un regard perçant, enfin c'est fabuleux, elle a une espèce de visage comme ça, assez fascinant, et je crois que la voir pendant deux heures, et à la fois il y a des moments où on sent combien elle est émue, à d'autres où elle, en effet où elle n'est pas du tout, où elle s'amuse, mais elle a toujours, même quand elle est en train de s'amuser, quand elle est très émue, elle a toujours le même port de tête. Oui, et puis elle est toujours à l'intérieur de ce qu'elle fait, à l'intérieur de ce qu'elle dit. On le sent, ça, elle est aiguë. Je n'étais jamais passive, je sollicitais la vie. Souvent dans mes quêtes, j'ai abouti à des impasses. Mais aussi j'ai fait des trouvailles qui m'ont enrichi. Et mon attitude multipliait mes chances d'une rencontre décisive. J'avais à peu près 44 ans quand nous nous sommes connus, et nous avons passé plusieurs années très proches l'un de l'autre. La vie et l'amour d'une femme, Lanzmann. J'aimerais bien savoir quel effet tu as eu d'abord quand nous nous rencontrions, mettons, au temps moderne et que nous étions encore pas du tout intimes. Et comment cette impression a pu se modifier? Qu'est-ce que tu as... Comment tu m'as vu, enfin, pendant ces années? Comment ça, pendant ces années ou au début? Au début d'abord et pendant les années qui ont suivi. C'est pas tellement facile à dire. D'abord, en dehors de mon goût bien connu pour les vieilles dames, j'étais bien plus jeune. Bon, je te trouvais très belle. C'est-à-dire, ça, c'est tout à fait immédiat. Je te trouvais très belle, tu avais un visage lisse. Et j'avais un peu envie de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette sorte d'impassibilité. Et c'est ça qui m'a... amusé au début. Et puis alors, tu as trouvé que j'étais moins impassible que je n'en avais l'air? Ah, absolument. Ça, ça, je pourrais témoigner. J'ai suivi le chemin que m'indiquait impérieusement mon passé. Depuis l'enfance, je souhaitais enseigner. Quand on m'a suggéré de devenir bibliothécaire, j'ai refusé. L'austérité de la philologie et du sanskrit me rebutait. J'ai convaincu mon père, qui souhaitait pour moi un poste de fonctionnaire, de me laisser me destiner au professorat. Il m'a suffi d'un an pour comprendre que je voulais me spécialiser, non en mathématiques, ni en lettres, mais en philosophie. Parmi mes élèves, j'en remarquais une que mes collègues appelaient la petite russe. C'était Olga, dont j'ai parlé en vérité, par la force de l'âge, et qui m'a inspiré des personnages très différents d'elle, de Xavier dans L'Invité. Ce qui était très émouvant dans le film aussi, c'est de voir ses amis, donc, qui ont servi à des personnages de romans, qui pour nous sont des personnages fictionnels, comme Olga par exemple dans L'Invité. Et tout d'un coup, on la voit sur l'écran, on la voit avec 40 ans de plus, et on retrouve bien la même Olga avec les cheveux qui doivent cacher les joues trop larges, les cheveux blonds, l'air un peu comme ça, coquin, évasif. Et tout d'un coup, c'est un personnage qui existe et qui parle à Simone de Beauvoir. Et très souvent, dans la littérature, on aurait envie de rencontrer les personnages que certains auteurs ont décrits, et on ne peut jamais le faire. Et ça, je trouve ça a été complètement magique, parce que ça se passe maintenant, donc on a pu avoir l'auteur et on peut voir incarner les personnages. Puis nous avons fait connaissance un peu plus tard dans l'année, hein, parce que vous faisiez des dissertations qui étaient pas mal, mais vous n'ouvriez pas la bouche quand j'interrogeais mes élèves. Parce que j'étais timide et qu'en plus vous aviez une façon assez abrupte et peu amène de poser les questions.
Je crois que j'étais en effet assez brutale avec mes élèves. Je sais quand j'ai rendu à Olga une dissertation une fois sur Kant, qu'elle avait bien réussi, j'ai dit, à ma très grande surprise, la meilleure composition m'a été remise par mademoiselle Olga Zakievich. Elle nous aimait pas. Et on sentait que... Ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, évidemment, j'ai eu des classes plus amusantes. Ben oui, mais on le sentait. On le sentait, c'est pas très agréable. Et encore, vous étiez une des meilleures élèves. Parce que je crois qu'un de mes défauts comme professeur, c'est que j'étais assez accueillante et intéressée par les meilleurs de la classe, mais que la queue de la classe m'en occupait, pourrais se dire absolument ça, pas. Si vous sentiez que les élèves étaient ternes, vous n'alliez pas vers eux. Certainement, j'étais assez élitiste. Enfin, c'est ça. Je parlais pour les meilleurs élèves. Vous avez dit désacraliser Malcari Bosca, mais en même temps, un film de cette importance, c'est vraiment la statue. Non. Oui, bien sûr, c'est la statue. Je veux dire que c'est un monument maintenant, historique, entre guillemets, si vous voulez. Mais il n'est pas du tout traité comme un film qui statufie. C'est un film, je crois, ça c'est une de ses qualités, très vivant. On n'a pas voulu faire un film didactique, on n'a pas voulu faire un film complet sur son œuvre. C'est un film qui est un peu construit comme son livre Tout compte fait, puisque vous avez lu toute son œuvre. Et c'est un film qui fait des retours en arrière, qui passe volontairement certaines zones dans l'ombre, d'autres qui sont beaucoup plus exposées à la lumière, parce que précisément c'est comme la mémoire, c'est comme la vie. Il n'y a pas la chronologie. Réelle, vous voyez, c'est. Je suis née à Paris le 9 janvier 1908 à 4h du matin. Mon enfance a été typiquement celle d'une jeune bourgeoise française de famille modeste. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu ce qu'a été pour vous votre activité littéraire. Jean-Paul Sartre. Et j'aimerais bien qu'on regarde ça dès l'enfance. Vous avez écrit. À quel âge ? Oh, ben, c'était un peu comme vous. Quand j'étais toute petite, que j'avais 7-8 ans, ça m'amusait, j'aimais énormément lire. Et alors, ça m'amusait d'imiter les livres que je lisais. Et par exemple, j'avais écrit une certaine famille Cornichon, qui imitait la famille Fenouillard, et que d'ailleurs, très gentiment, mes parents avaient fait relier dans un véritable livre. Une tante avait tout recopié, et c'était sur des pages blanches dans un livre. Puis j'avais écrit Les Malheurs de Marguerite, qui était un drame inspiré par la guerre. Et puis j'avais écrit, enfin, beaucoup de sottises. Je me suis arrêtée d'ailleurs vers 10-11 ans. Et je n'ai recommencé alors à écrire d'une manière que je voulais plus sérieuse, mais qui était assez lamentable, vers 20 ans. Mais quand vous avez écrit vos premières œuvres, là, comme Cornichon, vous aviez envie d'écrire plus tard ? C'était des essais ? Pour l'instant, c'était plutôt comme un jeu, simplement, de faire moi-même des livres, comme je jouais à la marchande, je jouais à écrire. Mais j'ai commencé à vouloir vraiment écrire, je sais, alors que là, c'était très décidé vers 15 ans, puisque sur un carnet, comme en ont les jeunes filles, et où on me demandait quelles étaient mes préférences, mes fleurs favorites, etc., qu'est-ce que je voulais être plus tard, et j'avais écrit, là, sans hésiter du tout, un écrivain célèbre. Donc, c'était mon rêve, et ça venait en partie du culte que mon père avait, avec tous ses défauts intellectuels, il avait quand même ça, il avait le culte de la littérature. Et il m'avait insufflé l'idée qu'il n'y avait rien de plus beau au monde que d'être écrivain. Par-dessus le marché pour une femme, c'était la meilleure et même peut-être la seule façon que je voyais à l'époque, à moins d'être reine d'Angleterre, de se faire un nom, d'être quelqu'un. Être quelqu'un, la célébrité, qu'est-ce que ça vous fait ? 20 titres, romans, récits, nouvelles, théâtre, philosophie, parmi lesquels L'invité, Les mandarins, Une mort très douce, Les bouches inutiles, Le deuxième sexe,
privilèges et surtout les mémoires d'une jeune fille rangée. On connaît la vie de Simone de Beauvoir puisque pendant 7 ans, elle vient de consacrer ses efforts et son talent à nous flashback archive, la voix celluloïde rangée, à la postérité. La force de l'âge et la force des choses forment 3 volumes d'autobiographie qui font suite au mandarin qui déjà annonçait les mémoires. On m'a demandé quelquefois pourquoi j'avais passé 7 ans à écrire mon autobiographie. Et en effet, elle représente une partie importante de mon œuvre, puisqu'il y a 3 volumes, les mémoires d'une jeune fille rangée, la force de l'âge, la force des choses. J'ai intitulé le dernier volume « La force des choses » parce qu'il va de 1945 à 62, et à cette époque, depuis la guerre, je me suis rendu compte de l'importance que les circonstances avaient dans le déroulement d'une existence. Alors qu'auparavant, je croyais que ma vie était une histoire que je me racontais. Mais je me suis arrêtée à la libération de Paris parce que j'avais besoin, en quelque sorte, de reprendre mon souffle, étant donné que La force de l'âge était déjà un volume très long. Et je voulais savoir aussi comment le public l'accueillerait. Parce que d'une certaine manière, ça me semblait assez outrecuidant de tellement parler de moi. Et j'ai vu que, dans l'ensemble, mon récit avait beaucoup intéressé et que, par conséquent, il y avait des raisons valables de le poursuivre. Il y en avait aussi certainement de ne pas le faire. Beaucoup de gens m'ont dit, après tout, vous en dites plus long dans vos mémoires que dans votre autobiographie. Du moment qu'on ne peut pas dire absolument tout, d'une certaine manière, on fausse la réalité. Il vaudrait mieux attendre et faire ça quand vous en serez beaucoup plus détaché, beaucoup plus tard. Mais j'ai quand même passé outre. Parce que ce que je voulais dire, je voulais que ce soit encore pour moi une expérience tout à fait vivante. Et les souvenirs qu'on écrit à 70 ou à 75 ans, ça peut être charmant, mais ça n'a pas du tout le même caractère, malgré tout aigu, que des souvenirs qu'on prend presque encore sur le vif. Et précisément pour raconter le passage, en somme, d'un âge à un autre, qui est ce qui arrive vers les 50 ans, eh bien, il vaut mieux être encore dedans que d'en être déjà tout à fait sorti. Quant à la mémoire du passé, alors, il arrive une drôle de chose, c'est que quand on a trop raconté ou trop écrit les choses, on ne se rappelle plus des événements eux-mêmes. Je sais qu'ayant écrit mes mémoires, je me rappelle ce que j'ai écrit dans mes mémoires, mais je n'ai plus aucune fraîcheur. Ah oui, sûrement. Par exemple, quand je parlais avec ma sœur, il y a des choses qu'elle se rappelle, et moi, je ne peux pas les ressusciter parce qu'elles n'ont pas été notées, inscrites, et que c'est comme si elles n'existaient plus. Mm-hmm. D'autre part, on m'a dit aussi que c'était intéressant de raconter ma jeunesse quand j'étais tout à fait inconnue, que du moment où je suis entrée dans la vie publique, en somme, le récit de ma vie ferait une espèce de doublé avec ce qu'on en connaissait. À mon avis, la dimension publique d'une vie d'écrivain, ça n'en est précisément qu'une seule dimension, et je considère que tout ce qui a relation à ma carrière littéraire, c'est un aspect de ma vie privée, et justement, je voulais essayer de mettre au point pour moi-même, autant que pour les lecteurs, ce que ça représente, du point de vue privé, que d'avoir une certaine existence publique. Il y a aussi une raison pour laquelle j'ai écrit ces livres, c'est que personnellement, j'aime beaucoup lire les autobiographies, et tout ce qui est en somme des documents bruts, ou mémoires, souvenirs, journaux, etc. Il y a une certaine qualité dans la vérité, précise, factuelle, qu'on ne peut pas retrouver dans les romans, même les meilleurs, même les plus inspirés, même les plus profonds. Ça, c'est certain. Ça embaume le passé, le fait de l'écrire, mais ça le laisse un peu figé comme une momie. Je n'ai pas de souvenir très, très chaud, très vivant de ce qui m'est arrivé autrefois. Ou ils sont chauds, vivants, si par exemple je me relis un peu et qu'à travers cette lecture, je ressuscite la chose. Mais enfin, les souvenirs ne me reviennent pas d'une manière spontanée, généralement. De même, je suis loin d'avoir parlé de tous les livres, de tous les films. J'ai fait un choix, et quelquefois assez capricieux, assez arbitraire, étant donné d'ailleurs que les choses que je rencontrais n'avaient plus la même valeur de formation que ça pouvait avoir dans ma jeunesse ou dans ce que j'ai appelé la force de l'âge. Il est bien évident que les choses me plaisaient, m'intéressaient, mais que plus rien ne modifiait fondamentalement ma manière de penser, ma manière d'être. Sabbath day, said Parson Johnson Brown, it's gonna be of interest. Every gal
a man that's gone away. That will be the subject which I'll preach about today. You can't hold the man you love, don't cry when he's gone. You can't keep a good man down, don't you carry on. First I want you gals to know a little fact I've known. It takes more than a radio to keep a man at home. And some night you're alone, waiting for the dawn. Listen, sisters, listen while I warn. Dog gone. Can't mail a letter if it isn't stamped. Can't reform a man, but he can be revamped. You can't hold the man you love, don't cry when it's gone. You can't hold a bird unless you feed him seed. You can't hold a dog without the bones he needs. If a monkey don't get peanuts, you'll find him gone. Can't hold a chicken unless you feed him corn. Can't hold a seal unless you feed him fish. Even got to grant a baby the slightest wish. Now let me tell you, shows of the Lord above. You can't hold a man unless you give him love. And some night you're alone, waiting for the dawn. Listen, sisters, listen to me while I warn. Doggone. Oh, you better get wise and realize the truth. Keep the home fires burning for your flaming youth. You can't hold the man you love, don't cry when it's gone. Had a backdoor man. You can't hold the man you love, don't cry when he's gone. I said, don't cry when he's gone. Vous avez dit, Simone de Beauvoir, que si vous aviez maintenant 30 ou 40 ans, vous aimeriez peut-être étudier la psychanalyse et écrire sur la psychanalyse. Ça paraît bizarre, je veux dire, parce que ça paraissait un petit peu absent de vos préoccupations. Pourquoi vous pensez à la psychanalyse ? Parce que la psychanalyse joue un rôle de plus en plus grand dans la vie des gens, en particulier dans la vie des femmes, qu'on trouve toujours, névrosées ou quelque chose, et qui vont consulter les psychanalystes. Et la psychanalyse ne leur offre que des schémas freudiens à la Lacan, avec toujours l'histoire du phallus, avec toujours l'Œdipe, avec toujours les mêmes choses. Et même les psychanalystes femmes qui ont essayé un peu de modifier, sont comme Melanie Klein ou d'autres, enfin, elles sont toujours tout de même dans le schéma freudien. Et je pense que si une femme voulait faire un travail vraiment utile aujourd'hui, moi je lui conseillerais, si elle a 20 ans, si elle a du temps devant elle, et si elle est travailleuse et intellectuelle, de vraiment reprendre la psychanalyse complètement pour essayer de faire une psychanalyse qui parte de la femme, alors que Freud avouait qu'il ne comprenait rien aux femmes. Je voudrais une psychanalyse faite par des femmes qui comprennent quelque chose aux femmes, mais c'est un travail très long, ça demanderait... Il y a Lucie Rigaret quand même qui fait ce travail. Elle le fait un petit peu, oui, mais elle est un peu, à mon avis, trop dans la perspective masculine, souvent, pas toujours. Il y a des choses d'elle que j'aime bien, mais quelquefois, elle adopte quand même les schémas masculins. Oui. Et par exemple, une qui m'a beaucoup déçue, c'est Juliette Mitchell, que j'aime beaucoup par ailleurs, et qui même dans sa révision des idées de Freud, se déclare même très 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 proche de Freud. Alors ça, moi, je voudrais une femme qui fasse, qui aille plus loin que Lucie Rigaret, qui se consacre à ça, mais qui aille plus loin. Et vous, non ? Ah non, ça c'est un travail qu'il faut commencer si on est très jeune, qu'on a beaucoup de temps devant soi. Faut pas commencer ça à mon âge, parce qu'il faut avoir vraiment tout un avenir pour se dire que on pourra refaire une psychanalyse. Vous avez dit aussi que l'essentiel de votre œuvre était derrière vous. Ça ne vous rend pas triste ? Non, parce que quand même cette œuvre est faite, en un sens c'est reposant même de n'avoir plus être trop tiré en avant par l'exigence de choses à faire. En un sens ça permet un peu de paraisser, de lire beaucoup, de voir ses amis, de se promener, d'être moins servi à la table de travail qu'on l'était plus tôt. Mais en même temps, bien naturellement, ça fait une dimension qui manque à une vie qui avait été axée d'abord beaucoup sur les projets, sur le travail, sur le lendemain, etc., etc.
Vous dites que la vieillesse, c'est le pas de l'infini vers le fini, que c'est terrible. C'est ça. Pour moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est que, alors que à 40 ans, même on n'a pas 40 ans, on n'a aucun âge, on a vraiment tout l'avenir devant soi. Évidemment, quand on a 70 ans, c'est très bien qu'on n'a pas tout l'avenir devant soi, qu'il reste quelques années, dont on peut essayer d'utiliser le mieux possible, mais il faut se lancer dans des grandes entreprises qui exigeraient toute une vie. Quand j'étais plus jeune, comme justement je donnais à la vie un prix immense, infini, le fait que cette vie était quelque chose de précaire me semblait insupportable, qu'elle fût précaire pour moi ou pour les autres, ou pour Sartre dans la santé m'inquiétait très tôt, ou tout ça me semblait insupportable de sentir les gens que j'aimais menacés. Et parce que tu étais très très consciente du scandale de l'amour. Absolument. Il y a quelques personnes dont la mort me porterait un coup sinon mortel, du moins tel que ça me dégoûterait complètement de la vie. Elles ne sont pas nombreuses, mais enfin, il y en a. Et ceci dit, c'est au contraire peut-être parce que je sais qu'il y aura des morts autour de moi, qu'il y en a déjà eu d'ailleurs, mais enfin, qu'il y en aura encore, que je suis assez indifférente à ma propre mort. Parce que si le monde se dépeuple vraiment trop pour moi, je ne vois plus beaucoup de raisons d'y rester. C'est une des raisons. L'autre que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que je n'avais pas envie de devenir une grande gaillarde. Mais peut-être que la plus profonde, c'est justement l'idée de la mort des autres qui m'est aussi insupportable qu'elle m'était d'autrefois. Ça n'a pas changé. Cette mort qui nous est commune à tous, chacun l'aborde seul. Du côté de la vie, on peut mourir ensemble. Mais mourir, c'est glisser hors du monde, là où le mot « ensemble » n'a plus de sens. Ce que je souhaitais le plus au monde, c'était de mourir avec qui j'aimais. Mais fussions-nous couchés, cadavre contre cadavre, ce ne serait qu'un leurre. De rien à rien, il n'existe pas de lien. Cette nuit informe, je la pressentais à travers des morts qui n'étaient pas la mienne. Il y avait eu Zaza. Elle venait encore me visiter la nuit avec son visage jauni sous sa capeline rose. Il y avait eu Nizan. Parce que je me rappelle encore que, lorsque j'ai écrit un livre sur la mort de ma mère, j'avais mis en exergue des vers d'Aylon Thomas que j'aimais beaucoup et qui disait, en gros, ça disait, mais c'est très poétique, c'est en anglais, enfin, n'entre pas sagement dans cette sombre nuit, rage, rage contre le déclin de la lumière. Et je pensais qu'en effet, il fallait en quelque sorte rager. Mais contre qui rager? Il y a un mot de Freud que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu, quand il parle de la douleur physique à un moment, avec Lou Andrea Salomé, je crois. Et il dit qu'il considère que c'est une chose abjecte et qui devrait vous révolter, vous mettre en fureur, si seulement on savait contre qui se mettre en fureur. Je ne peux pas me mettre en fureur contre Dieu à qui je ne crois pas, je ne peux pas me mettre en fureur contre mes cellules et contre mon corps qui sont ceux que tout le monde a à mon âge. Donc je n'ai aucune raison ni de rager, ni de... Les gens et non plus au fond de m'angoisser. Dans une maison. Leur absence, c'est l'envers de leur ancienne présence. Sa chaise est vide, dit-on. À cette heure-ci, il aurait fait tourner la clé dans la serrure. Pour là, quand je me promenais dans Paris, j'essayais de dire... Il se pourrait que demain je reprenne peut-être de le désir violent de quelque chose. Si par hasard j'avais brusquement le désir d'écrire un livre difficile et long.
choses peuvent arriver. D'ailleurs, il est arrivé que j'ai de nouvelles amitiés. Bien, d'une certaine manière, c'est agréable. Parce que, justement, je goûte les joies qui ont été inconnues presque depuis mon enfance d'une certaine paresse. Quand j'étais plus jeune, comme justement je donnais à la vie un prix immense, infini, le fait que cette vie était quelque chose de précaire me semblait insupportable. L'angoisse a disparu et d'une certaine manière la colère. Je suis vivante certainement dans la mesure où j'ai encore des projets auxquels je tiens encore assez fort. J'ai encore des grandes joies, de grands plaisirs et je déteste toujours l'ennui. Mais je ne veux pas m'empoisonner parce qu'on s'empoisonne aussi à être comme ça, à être tout le temps dans une espèce de révolte contre ce qui m'arrive. Je te dis, ça s'est fait plus ou moins graduellement. Alors, il n'y a plus, comme avant, la pleine lumière ou l'obscurité. Ça serait un peu plus dans les gris, dans des gris qui sont très souvent teintés de rose parce que j'ai encore beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Mais ça n'est plus cette chose tranchée entre précisément le bonheur et puis alors le désespoir inquiet.